Salut à tous, aujourd'hui c'est jeudi, journée de vidéo à la con. Alors aujourd'hui la vidéo va être consacrée au menu caché. Donc beaucoup de personnes je pense savent pas comment on actionne le menu caché, bon beaucoup le savent. Donc voilà, on va regarder ça tout de suite. Donc là je suis en train de tester des petits trucs, vous voyez j'ai mis une petite caméra là. Donc je teste, hein. Je vais voir ce que ça va donner sur la vidéo. Je vais essayer de monter quelque chose de sympa. On verra bien. Donc le menu, alors le menu caché, donc pour ceux qui ne connaissent pas. Il faut actionner cette touche note de musique en même temps que la boussole. Donc synchroniser les deux. Donc on va le faire en direct. Une fois qu'on a appuyé à peu près entre 5 et 10 secondes sur les deux boutons en même temps, il faut bien appuyer en même temps. Voilà. Alors voilà ce qui apparaît. Vous avez les kilomètres par heure. Et après, vous changez avec le plus, le haut et le moins. Donc, alors on va essayer de passer voilà, le téléphone comme ça. Donc là, j'appuie vers le haut, ça me change. Alors, il y a des trucs, honnêtement, je ne sais pas ce que c'est. Donc là, on a ça qui apparaît. Alors par contre, là, je vais mettre la voiture en route. Parce qu'il y a des trucs qui apparaissent quand la voiture est en route. Donc vous avez votre charge de batterie. Voilà. Alors les tours par minute. SPD, je pense que ça veut dire speed. Donc voilà, là j'ai mon voltage, j'ai la température moteur. Alors après je vais changer. Alors ça c'est pareil, il y a différents trucs, je sais pas trop, il y a des trucs franchement je sais pas ce que c'est. Hein. Dans les commentaires, ceux qui connaissent mieux que moi pourront peut-être me le dire parce qu'il y a des trucs je ne sais pas. Là il y a la pression d'huile. Après quand on appuie sur le haut. Voilà, il y a différents trucs. Alors, il y a des trucs, je ne sais pas du tout ce que c'est. Voilà, là. Là, il y a différents réglages. Voilà. Alors, ça, c'est pareil, ce truc-là. Je pense que c'est un truc de pression d'huile. Mais en fait, il est tout le temps comme ça. Sur toutes les 300, il est toujours à 795. On ne sait pas pourquoi. Donc, s'il y a quelqu'un qui pourrait nous expliquer aussi, ça serait bien. Et puis voilà, c'est vitesse, vitesse. Donc là, on revient. Voilà, batterie. Température. Alors là, donc, voilà. Là, il y a la position de mon accélérateur, en fait. Donc, il est à 0%. Et là, quand j'accélère, voilà, ça bouge. Donc, c'est pareil là-dessus, il y a des petits réglages pour régler son accélérateur. Donc voilà, donc là je vais revenir sur la note de musique. Voilà, et là quand je rappuie sur la note de musique, en fait, ça me remet mon truc classique. Donc quand j'appuie sur les deux en même temps, je vais remettre, je vais essayer de faire de la magie. Voilà. Donc voilà, il y a différents réglages. Hein, et là c'est vitesse numérique. Voilà, bon c'est pas extraordinaire hein, comme petite vidéo. Mais voilà, le menu caché qui est plutôt sympa. Donc voilà. Je peux pas dire grand chose de plus. Toc. Donc là je l'ai remis comme d'habitude. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Petite vidéo. Bon, pas extraordinaire aujourd'hui, hein. En plus il fait pas beau, donc je suis pas motivé plus que ça, mais bon ça va le faire quand même. Allez bise, à la semaine prochaine. Youhou.